Bonjour Serge. Oui, bonjour. Voilà, je suis passée par hasard devant votre maison. J'ai vu que c'était là qu'habitait ce monsieur dont on m'a parlé dans la ferme équestre il y a plus de 24 heures. Ah, donc, votre fille m'a dit que vous étiez depuis très longtemps sensible à la biodiversité, mais que ça vous était chevillé au corps depuis très longtemps. Oui, mais moi je me suis toujours intéressé à la nature, que ce soit la forêt, que ce soit le cosse, que ce soit bien sûr tout l'écosystème, quoi, tous les animaux qui vivent D'accord. dans ces milieux, quoi. Mais vous avez un intérêt plus particulier pour... Je suis plutôt spécialisé dans les oiseaux, mais les mammifères m'intéressent aussi, quoi. Oui. Voilà. Et les oiseaux, quel rôle vous jouez vis-à-vis d'eux? Déjà avec la LPO, on recense tous les oiseaux de notre secteur. Oui. Quand on passe dans un secteur, on note tout ce qu'on a vu ou entendu. Souvent, c'est plutôt à l'oreille même, parce que les oiseaux sont très méfiants, ils ont un petit peu peur de l'animal vertical, qui est Oui, l'homme. oui. Et donc, c'est souvent à l'oreille qu'on recense les oiseaux, au chant. C'est-à-dire que c'est au printemps, quand les oiseaux marquent leur territoire, qu'on va recenser d'une façon vraiment très pertinente les oiseaux qui vivent à cet endroit. Voilà. Voilà. Donc vous les repérez donc au champ, donc lors de grandes randonnées, vous faites des marches, Oui, en des... randonnée aussi, tout ce qu'on trouve sur le Et parcours, vous quoi. faites ça depuis longtemps? Oh là! Il y a une bonne cinquantaine d'années, quoi. Ah Ouais, oui. ouais, ouais. Oui, donc c'est ça fait Ouais, partie ouais, vous faites partie de ces gens qui, ouais. depuis très Ouais, longtemps, sont conscients ouais. de la puissance de cette nature autour de Tout à nous. fait, ouais. 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 Et est-ce que vous avez repéré justement depuis 50 ans des évolutions Les positives ou évolutions. négatives? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a beaucoup de diminutions, surtout chez les oiseaux de culture qui vivent dans la campagne. Oui. Alors qu'en ville, ils auraient plutôt tendance à se développer dans les parcs et jardins, quoi, surtout. Oui. Puisque d'abord, il n'y a pas de chasseurs à cet endroit. Pas de Il prédateurs, y a, y a pas, moins de y a moins de prédateurs. prédateurs. Il y a quand même le Il y a chat le chat. Ouais. qui est pas très sympa avec les oiseaux. Et voilà, mais ça, c'est l'agriculture intensive qui a favorisé le déclin des espèces et des fois même des disparitions. Parce qu'ici, vous avez traversé le plateau de Faux, je crois. Oui. Et là-bas, sur Faux, vous aviez un oiseau typique des grandes plaines de Faux, là, c'était le loutard de Cannepetière, Oui. qui a disparu totalement, complètement disparu. Ouais. Par contre, on a vu un autre oiseau de plaine qui est arrivé, alors qui était peu abondant, c'est le Dignem criard, un oiseau qui vit dans les zones un peu désertiques, du Causse très très pelé, Donc, il est et venu lui est s'installer arrivé. ici. Voilà. Par exemple, ce qu'on n'avait pas autrefois, c'est des rengards de bœufs. Maintenant, on a Oui. des rengards de bœufs, on a des aigrettes qu'on n'avait pas non plus. Vous voyez, Et comment vous il y a une expliquez évolution. ces changements de milieu pour l'oiseau? Parce que celui que vous aviez cité, qui est dans un milieu plutôt désertique et qui vient s'installer ici, alors que le milieu est quand même plus boisé. On ne comprend pas tout, hein. Non, non, mais des fois il On peut ne y sait pas, avoir. Non. mais non, on ne comprend pas pourquoi l'outarde a disparu. Bon, l'outarde, on sait à peu près, parce qu'il n'y a plus un grillon à manger, il n'y a plus une sauterelle, Ouais. tout est stérilisé par les produits chimiques. Est-ce que vous avez Donc eu ici un voilà. peu de remembrement comme il y a dans d'autres coins de Non, France? pas trop, pas Pas trop. Vous trop, avez hein, vous êtes remarqué en préservé, traversant hein. qu'il y avait de Oui. la forêt. Oui. Vous avez vu sur le plateau de Faux, le plateau de Faux était bien. Ils ont éliminé beaucoup de haies. Oui, quand même. Mais là, il y a quand même des milieux qui sont encore favorables. Oui, parce que Il y a on encore dit que la Dordogne, c'est 45% de bois de encore, hein. forêt, oui. 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 Avec un problème sur la forêt. Parce que moi, on m'a expliqué que oui, 45% de Oui, forêt, mais de plus en plus de résineux dans cette forêt. voilà. Puis Vous alors, confirmez? quand une forêt est rasée, quand vous aviez par exemple 500 hectares de rasée, elle est toujours recensée en forêt. Alors qu'elle n'est plus en forêt, Ah bon? si elle a été coupée rase. Oui, bien C'est plus sûr. une forêt. Elle redeviendra une forêt dans 50 ans, mais elle est toujours comptée en forêt. Oui, donc Ça, vous c'est pas voulez dire normal. que les Je veux chiffres dire que ne la sont pas biomasse, justes, voilà, quoi. la biomasse n'y est pas. Oui, c'est ça. C'est un problème de biomasse. Ah ouais. Oui, et Enfin c'est... bon, elle se porte bien quand même, parce que Oui, on ici. a des espèces qui sont arrivées aussi, comme le pic noir, qui était un oiseau typique des grandes futaies de montagne, et qui est arrivé ici. Donc s'il est arrivé ici, c'est qu'il y a encore
Et il y a des grandes futaies qui se sont recréées spontanément, surtout dans les vallons, dans les endroits très inaccessibles à l'homme. Cet oiseau s'est implanté. Oui, mais en fait, ce que vous dites, c'est un petit peu cette idée que l'homme porte atteinte au milieu par Oui, son urbanisation, tout à fait. par ses activités, quoi. C'est ça, en fait. Il est même dit que chaque seconde, on perd 25 mètres carrés en France, Ah, sur le béton. Chaque on seconde. bétonne, quoi. Chaque seconde, 25 Ouais. mètres carrés. Vous savez Je ne sais pas si qu'aujourd'hui. c'est juste, mais ça se Oui, dit, les oui, oui. scientifiques le disent. Ouais. Bon, Ben je n'ai pas aujourd'hui, contrôlé, moi. c'est l'ouverture du congrès à Marseille, là, pour la protection de L'Union la biodiversité. internationale pour Ouais, enfin, la protection de protection la de nature, de la la biodiversité. Oui, biodiversité. oui. Je ne sais pas si on va aboutir à quelque chose. C'est bien, on en parle beaucoup. Faut en Ouais. parler, faut parler, faut parler. Oui. Et agir après, ça peut déboucher sur des actions. C'est Ouais. possible. C'est un petit peu mon propos aussi à moi, Oui, puisque moi voilà. j'agis, enfin Oui. j'agis à ma façon en marchant 1 000 km et j'en parle notamment avec vous. Mais et les gens autour de vous, ils sont sensibles à tout ça Oui, ben les gens de mon âge, oui, parce que. Puis bon, ici, on n'est pas. Vous avez remarqué que la Dordogne, c'est 9 000 km², 400 000 habitants. Oui, il n'y a pas grand monde encore. Il y a de l'espace. Oui, il y a de Donc, l'espace. ici, l'impact est. Mais dans les zones agricoles, non, c'est catastrophique quand même, parce que il y avait un oiseau qui était très commun autrefois, c'était la tourterelle des bois. Oui. C'est un oiseau migrateur qui arrive d'Afrique, hein, au mois de mai à peu près, là, début mai, fin avril, début mai. Eh bien, il n'a pas totalement disparu, mais on n'en entend presque plus. Autrefois, c'était un chant commun quand on se promenait dans la forêt. On entendait la tourterelle des bois partout, tous les 500 mètres, il y avait un nid. Maintenant, voilà. Ouais. Et c'est vrai que, bah, enfin, en France, ce sont des dizaines et des dizaines d'espèces qui sont menacées Oui, d'extinction, de oui, 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 disparition, oui, oui. qui sont parfois soutenues à bout de bras par des associations pour, comme moi je parle toujours de ma petite tortue, là, Oui. l'émie de lépreuse, Oui. moins de 1 000 en France, c'est une Voilà. association qui va la soutenir à bout de bras pour Oui, essayer de oui. la maintenir, mais les solutions sont sans doute beaucoup plus générales, quoi. Oui. Ouais. Bon, ben en tout Voilà. cas, merci de. Ah, moi, autre chose que je voulais vous demander quand même, parce que vous dites que depuis toujours, vous aviez une sensibilité à la nature, à l'écologie. Oui. Personnellement, moi, je sais que en 74, à l'époque des élections où comment il s'appelle, René Dumont s'est présenté, Oui, j'étais au collège, mais oui. j'étais déjà sensible. Mais Oui. j'ai l'impression qu'on est un certain Mais nombre à oui. s'être un peu Bon, endormi malgré j'ai tout. voté pour lui à Vous l'époque. avez voté pour René Dumont? Ah Vous êtes oui. parti des quelques Ah pourcents? Ah ouais, ben voilà, c'est oui. super. Ah oui, Bon, c'est il y a une sûr. logique, quoi. Oui. Ouais. Avec sa bouteille d'eau, je me rappelle, Oui. sur la table. Ouais, on a pris beaucoup de retard, en fait. Oui. Enfin, bon, Certainement. c'était un pionnier aussi. C'est Oui. lui qui a lancé finalement un petit peu le. Bon, puis il y avait beaucoup de scientifiques qui ont œuvré, comme Paul Giroudet, un grand ornithologue, Robert Ménard, il y a eu plein de. Oui, il y a des gens hein, qui ont Oui, œuvré. oui, Mais on n'a sans doute pas été assez percutants, peut-être, ou il faut encore aller plus loin. Oui, mais les gens sont durs à démarrer. Il y a des pays, regardez l'Angleterre, ils sont beaucoup plus protecteurs que nous. Dans chaque famille en Angleterre, ils ont le Peterson. Le Peterson, c'est le guide des oiseaux d'Europe. Mais toutes les familles ont Connaissent. ça. Ils connaissent tous les oiseaux, Ouais. les Anglais. Ouais. Bon, j'ai des Oui. amis anglais qui viennent ici. Ils connaissent tous les oiseaux. Oui. Alors qu'ici, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je vois, Oui, ça fait pas partie ouais. de notre culture Et de en ça. Afrique, c'est pire. En Afrique, quand vous demandez à un Africain, quand vous vous promenez en Afrique, qu'est-ce que c'est cet oiseau? Parce que vous ne connaissez pas le nom. Ça, c'est de la viande, ils vous disent. Ouais. Oui, Voilà. mais ça Parce que tout se correspond à mange. d'autres réalités. Voilà. Mais ils ont faim. Voilà, c'est Nous, on n'a ça. plus faim. D'accord. Je vous remercie, Ça va? Serge, et tout va bien.